Ah ouais, le mec il fait ses consultations chez lui sans pression. C'est super moche, y a pas de déco. Il est sympa votre bureau? Je suis navré, mon ancien bureau est en travaux. Les voisins du dessus étaient des meurtriers et enfin ils ont tenté de dissoudre un corps dans la baignoire. Du coup on fait contre la fente au sol. Wesh. Ah ouais, effectivement, c'est embêtant. C'était une blague. J'essaie simplement de vous détendre. Je suis navré que ça soit pas passé du tout. Il est sérieux lui? Je vous en prie, allez-y. Comment j'ai pu croire à sa vieille rêve là? Asseyez-vous, madame Rine. Ah non. Bon, là j'en ai pour une heure, alors si le mec commence à faire des blagues, moi je vais me faire plaisir. Déjà bienvenue, Anna. Pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Et zébardi. Mon entourage m'a conseillé de demander de l'aide d'un professionnel, donc D'accord. Je suis là. D'accord, très bien. Et sauriez-vous me dire pourquoi votre entourage vous a demandé de venir? Bah, je leur ai parlé d'un rêve que je fais souvent en ce moment. Pourriez-vous me parler de ce rêve? Je suis dans un avion, et à côté de moi, il y a un homme qui essaye de me vendre des savons. Et cet homme dans votre rêve, ressemble-t-il à quelqu'un que vous avez déjà vu? Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à mon prof de physique-chimie. Pourriez-vous me le décrire? Il est grand, il est musclé avec des tatouages, il est chauve aussi. Oh, j'avoue, The Rock en prof, ce serait top. Et pouvez-vous m'en dire plus sur son... Merci, mon professeur de flûte. C'est du pipeau. Ok, j'ai un peu honte de ce jeu de mots, heureusement que personne m'entend. Vous pourriez me parler de cet avion dans votre rêve? Oh, mais il me casse les couilles à me faire parler de mon rêve. Vous voulez que je vous décrive la couleur des sièges? Si c'est ce dont vous avez envie de parler, je vous écoute. Ils sont violets. Il va en direction des Pays-Bas. Et sinon, que faites-vous dans la vie, Anna? Je suis script. Script? Et c'est une bonne situation, ça, script? Oh, vous savez... Moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Destinée, ça c'est important. À quoi vous sentez-vous destinée, Anna? Ouais, c'est bon, j'en ai ras le cul, je me tire. Je vais y aller. Je me tire. Me demande pas pourquoi je suis...